Bonjour à tous, Mike Luzio. Voilà, je suis super content parce que ça fait plus d'un an que voilà, j'ai fait la review du Steadicam de Neeware. Je ne pouvais pas me l'offrir et cette année, enfin, il est là, le stabilisateur de la marque de chez euh, Jiyun. Jiyun, je crois que ça se prononce Jiyun. À mon avis, c'est sûr même que je l'ai mal prononcé, mais désolé. C'est dommage que ça ne soit pas une boîte de transport, pas de boîte pour le transporter, donc c'est... Une simple boîte on va essayer de le sortir sans le casser voilà. avec le trépied donc qu'on peut mettre soit en bas donc, comme ça pour avoir un bon grip et pour éviter de d'appuyer sur les boutons mais dans cette version donc qui est la version améliorée du webi lab on peut verrouiller les boutons en appuyant deux fois sur le bouton élevé comme ça même si on le prend avec cette main là ici on peut l'utiliser sans déséquilibrer le Kimball le ou changer de mode par inadvertance donc comme ça on peut avoir le double grip ou bien sûr et ça c'est génial hop là pour les plans ras du sol et on peut loquer une fois que c'est bien mis comme ça il ne bouge plus donc voilà pour les pour les plans à ras du sol comme ça c'est génial il y a des euh, adaptateurs qui coûtent pas très cher hein, mais euh, moi je vois pas trop l'utilité c'est super rapide de le faire comme ça aussi ça prend euh, deux secondes voilà c'est déjà fait donc euh, les adaptateurs oui je suis pas très convaincu donc les batteries qui viennent se mettre juste ici donc pour une autonomie de 14 heures sur papier donc euh, ça va vérifier puis ça dépend du modèle et si vous chargez l'appareil en même temps donc ça va décharger beaucoup plus vite bien sûr on a les boutons bien sûr d'allumer le petit joystick et surtout l'écran et pouvoir changer comme sur le Moza Air Cross 2 on peut changer la vitesse du moteur et tout ça directement sur le stabilisateur pas besoin de passer sur l'application donc ça c'est un gain de temps aussi on peut faire rapidement, paf, paf, changer les modes, changer la vitesse. Super pratique. Donc tout est amélioré par rapport au, au Wii Lab. Le poids de support, qui peut supporter, on ne sait pas <laughs> le support exact. Parce que sur le site et, et même sur les papiers, il n'y a pas marqué. Bien sûr, sur le site, il y a la liste complète avec euh, tous les modèles. Moi si je l'ai pris, bien sûr, c'est pour le Fuji XT3. Pourquoi je l'ai j'ai pas pris le le Ronin SC si jamais j'upgrade, si jamais je change d'appareil ou pouvoir mettre justement des accessoires et la cage avec le Fuji et tout ça directement sur le stabilisateur donc comme ça j'ai pas à tirer la cage, remettre la cage et tout ça parce que ça ajoute du poids et donc euh, les 2 kg je sais pas si euh, euh, ça aurait pu les supporter sur le Ronin SC donc là au moins je suis tranquille mais voilà super design, super compact vu que le Fuji et un appareil assez compact en lui-même. Super simple, super pratique, super compact, mais balèze. <laughs> Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Assez petit, assez compact, mais super balèze. <laughs> Je plaisante bien sûr. Ji-Yoon Webill S. J'étais vraiment euh, surpris parce que j'ai vu quelques reviews aussi sur YouTube. Je savais qu'il était petit, et compact et tout ça, mais l'avoir en vrai comme ça, c'est super bien fait. Très bonne construction. À voir bien sûr dans la durée et tout ça hein. mais euh, voilà ça, ça fait solide même si tous les modes sont lockés et ça bouge un peu quand même donc, donc très bonne qualité Webill S les deux pas de vis donc pour la poignée et sur le côté pour ajouter soit le, le smartphone soit un moniteur et puis après il y a les accessoires bien sûr le moteur qui vous contrôle avec la petite roue ici ou le transmetteur qui vient de se fixer juste en dessous de la plaque. Donc ça à voir aussi parce que là c'est pas encore euh, sorti à l'heure où je fais cette vidéo. On a la plaque, bien sûr, à libération rapide, donc c'est une double plaque, on appuie dessus et hop, il se détache, cette partie reste sur le stabilisateur et on peut le tirer, prendre des photos par exemple, tac tac, et hop, revenir, positionner en un instant comme ça, bien sûr, mettre ça, le petit clic, très important. C'est bien fixé, et voilà. Donc comme ça, on peut laisser cette plaque sur le stabilisateur. Je vais la mettre, et voilà. Ça, ça ne bouge plus. Il y a les repères aussi, pour se rappeler de la position. Donc ça, c'est super pratique aussi. Mais par contre, il n'y a pas de repère pour celui-ci. Pour cet axe-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le petit support élevé. Pour le mettre justement sur la plaque si jamais on utilise le follow focus ou euh, d'autres accessoires et si l'objectif est trop euh, important comme ça on peut mettre des appareils plus gros s'ils si ont des plus gros objectifs et le dernier donc euh, voilà petite boîte très simple il n'y a pas grand chose hein, parce que le, le plus important il est là donc sinon les câbles et là il y a toutes sortes de câbles on a d'autres en plus et donc il y en a trois en tout des petites vis pour la plaque Ils viennent de se mettre sur la plaque on en a trois donc ça très bien aussi ce qui va compter c'est surtout celui ci donc usb c vers usb normal comme ça on peut le brancher au fuji xt3 et avoir une batterie externe ou alors directement avec celui ci usb c vers mini USB, on peut le brancher juste là, voilà, et venir le brancher au port du Fuji et comme ça, avec le Dune Weeble S, on alimente le Fuji XT3. Donc ça c'est merveilleux parce que on connaît le Fuji XT3 qui n'est pas très réputé pour sa batterie, comme la Blackmagic et comme d'autres caméras bien sûr, mais au moins comme ça, on peut le charger en même temps qu'on utilise. La poignée, donc ça fait non seulement ça stabilise, mais en plus ça le recharge en même temps, donc c'est génial. Donc, super euh, stabilisateur pour le prix parce qu'il est euh, à l'heure d'aujourd'hui à 400 euros, donc il se situe entre le Ronin SC et le Moza Aircross 2, c'est euh, entre les deux. Par contre, le seul bémol c'est que là où ils sont malins chez june c'est que les accessoires sont plus chers. Donc, euh, voilà, si on veut le follow focus, c'est 100 euros de plus. Si on veut le transmetteur, on ne sait pas encore le prix, mais ça va être aux alentours de 100 euros à peu près, vu qu'ils euh, ont annoncé les autres versions avec le Follow Focus à 500 euros et avec le Follow Focus et le transmetteur d'image à 600 euros. Donc on se dit que ça va être à peu près 100 euros individuellement. Donc il va être plus cher, si on veut tous les accessoires, il va être plus cher que le Moza Air Cross. Deux, et que le Ronin SC bien évidemment, mais voilà, plus de capacité, une batterie plus longue aussi, et puis beaucoup plus compacte que les deux autres. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai attendu quand même plus d'un an avant d'en de, prendre un, et puis surtout avant qu'il baisse les prix, hein, parce que euh, 400 euros c'était un peu le maximum pour moi. Donc euh, Jihoon me l'a envoyé après que j'ai payé le prix normal. <laughs> Ce n'est donc pas une vidéo sponsorisée, je le rappelle, mais vous avez quand même le lien. J'ai hâte de l'utiliser. Je l'ai surtout pris pour un, un prochain projet qui arrive, je ne sais quand, parce que euh, j'en ai besoin. Et puis surtout pour le fusil qui me filme actuellement, qui n'a pas de stabilisation. Donc euh, même si euh, je veux faire des petites vidéos à la main, c'est super compliqué. Quoi. On voit tous les tremblements et tout ça. J'avais besoin d'un stabilisateur. Et surtout compact comme ça, voilà, qui passe partout. Et comme ça, au moins, on peut avoir des vidéos professionnelles de qualité qui ne tremblent pas, surtout. <laughs> voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, la cloche, tout ça, pour justement voir la suite. Parce que je vais faire d'autres vidéos avec le Jiyun Weebill S. D'ici là, enjoy!